Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Siglo de Oro sur Open Universe 4. Une série dans laquelle on se demande toujours un petit peu comment déclencher cette guerre contre l'Empereur. On a un moyen, mais il nous manque quelqu'un, il nous manque un électeur. Cet électeur, c'est Württemberg, oui, Württemberg, qu'on n'arriverait pas à faire venir dans une éventuelle guerre, et donc il faudrait allier. Et ça semble compliqué puisqu'ils sont rivaux d'un des autres électeurs qu'on a déjà alliés. Ouais, donc il y a un moins son quand même qui est assez violent, qui est lié à le fait qu'on est allié à Bad. Il a aussi trop de relations diplomatiques, mais il y a aussi l'attitude neutre. L'attitude neutre, si on arrive à la changer, ça peut fonctionner. Nous on va d'ailleurs, on est sympa, on peut pas parce qu'on n'a pas encore assez de relations. C'est pas grave, dès qu'on le pourra, on changera. De ce côté-là, on va attendre le pognon, je pense, pour faire des ça, parce que les autres là, c'est pas. Ah, bien que ça, c'est cool. Prod. Et puis, mais d'ailleurs, pourquoi c'est pas. Par quoi c'était trié, c'est bizarre. Et là, c'est pas mal aussi. Et le point 13 aussi, mais là aussi, c'est pas. Okay. Pour le moment, comme ça, voilà. Très bien. Et puis on va donc du coup faire aussi une revendication sur Utrecht. Le gros problème qui va se poser, c'est que à la fin, quand lui il va mourir et ça ne devrait pas trop tarder, ils vont voter pour la Pologne. La Pologne qui est protestante du coup. C'est fun ça. Ouais. Donc. Alors c'est pas. Ah, ils sont allés du Palatinat. Ça va être, disons, un peu plus compliqué, parce qu'il faudra faire venir quelqu'un qui n'est pas un électeur. Là, on a l'avantage d'avoir l'Empereur qui est aussi un électeur. Donc, en plus de faire venir la Pologne, et machin, et truc, etc., il va falloir trouver une guerre qui nous permette de faire venir... Alors, nous, on sera alliés avec eux, eux, et eux. Donc, il faudra trouver une guerre qui fasse venir... alors, Pologne et Palatina, ça va bien, parce qu'ils viendront de toute façon. Mais il faudra aussi faire venir... Nassau, Württemberg et Memmingen. Et on n'a pas moyen que la guerre soit contrainte cela. Donc bon, Württemberg, je pense que l'alliance, malgré le fait que ça va nous coûter en points diplo, il va falloir aller la chercher. Et il va falloir trouver un moyen de faire venir Nassau et Memmingen. Bon, ils sont alliés. C'est une bonne base. C'est-à-dire qu'attaquer un des deux pourrait suffire, mais on se retrouve dans une situation tout à fait similaire. C'est-à-dire que Moscovie en plus. Donc, on va attaquer Memmingen parce qu'on va quand même pas attaquer le monde entier pour cette histoire. Hein. Attaquer Memmingen serait idéal, mais je peux pas. Il y a vraiment rien à faire, je peux pas. Je vois pas ce que je peux faire pour attaquer Memmingen. Ils sont dans un nœud où on a rien, aucun pouvoir. Je suis sûr qu'ils ont pas 20% dans ce nœud. Hein, c'est ça, Memmingen, donc a priori ils ont 8%, donc voilà. Donc ça, on peut pas faire. Il y a un truc avec la Bavière quelque part. Mais même pas en fait. Je peux pas non plus les attaquer, cela a priori y a pas de raison. Mais je peux attaquer l'Autriche. Je peux attaquer l'Autriche. Je peux attaquer l'Autriche. Ça fait venir la Bohème. Prendre ça à la Bohème. Relâcher la Bavière. Avoir des revendications sur toute cette région, dont Munich, Landshut. C'est compliqué, hein. Quand même vraiment sauvagement compliqué. En plus, là, on prend clairement de ça, là. Enfin, oui et non, en fait. Parce que si j'attaque l'Autriche, que je sors d'abord la Bohème, je légitime tout ça de la Bohème, puis je finis ma guerre avec l'Autriche, je peux éviter le... Oh, c'est d'un compliqué quand même. Mais bon, ouais, ça nous donnerait des raisons d'attaquer Memmingen, ou le Palatinat d'ailleurs. Autre possibilité, l'alliance avec Memmingen aussi, elle est tout à fait faisable celle-là, vraiment. Tranquille, sans souci. Beaucoup plus qu'avec Württemberg en fait. Mais Württemberg est vraiment moins attaquable à mon avis que Memmingen. Et dans tous les cas,
L'autre possibilité, bien sûr, c'est d'attendre des plombes et puis de faire un OCB. Hein. On peut. Ça marche. C'est pas idéal, mais on peut. Bon, j'ai pas fait gaffe. Il va y avoir des problèmes ici. Nouveau cardinal. Cool. Ok, on peut prendre nos techs. Alors, c'est parfait, avec plaisir. Merci. Merci. Et puis, oui, on a de nouvelles troupes. La tech 15 va faire du bien, même si bon, on s'en fout un petit peu contre les indigènes. Là, on est très offensif, j'ai l'impression. Perd un point là. En fait, ça change rien. Parce que là, on a plus de choc, en fait, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Là, on a plus de choc et là, on a plus de feu. C'est aussi simple que ça. Du coup, feu. Honnêtement. Et en gros, on peut se mettre à 40. Nope. Pas grave. De toute façon, je pense qu'il y a peu d'endroits où on pourra se mettre à 40. Je pense même d'ailleurs qu'on va diviser ça en deux. Tant pis. Hernan Cortés, tu vas te mettre ici, je pense. Et toi, on va mettre celui qui a le plus de sièges, c'est-à-dire Pedro de Aguirre. Et c'est très bien. Voilà, voilà, voilà. Colonie autosuffisante, mais c'est parfait. Expulsion d'une minorité, c'est cool aussi. On peut continuer, du coup, c'est bien, parce qu'on a bien timé ça, c'est cool. Ben, pour le moment, continuons ici. On va continuer avec notre minorité, je dirais napolitaine, si on le peut, mais j'ai pas l'impression qu'on le puisse. Comment se fait-il ? Non, en fait, on va éviter. Non, non, on va garder nos points diplo. On a des problèmes sur les points diplo. Pour le moment, tu colonises juste. Okay. Ce qui permet en plus après de te rappeler éventuellement. Là on a un Aska. Typiquement on est obligé d'abandonner. Là on en a un à Androscoggin. C'est la même. Et à Lenap, c'est exactement la même. Donc pour le moment on peut pas abandonner. Donc on évite. Toi, bon, je sais pas ce que je vais faire de toi. On verra par la suite. Pour le moment on s'est déjà divisé en deux ici. On a récupéré notre histoire là. Très bien, ça c'est parfait. Tu continues maintenant, alors tu explores tout ce que tu veux, bah, tu peux faire ça. Et puis de ce côté-là, on n'a plus besoin de tous ces mecs ici. On va juste finir, partir en positif sur Württemberg, ça va nous donner une petite idée de ce qu'il faudra faire par la suite. Nouvelle province légitime, Rente, on va dire ça comme ça, qui est légitime, c'est parfait, tu nous convertis tout ça. Et ici, on revient de là pour le moment. On va justement voir Rente, ce que ça donne. C'est dans les Flandres, on va quand même y mettre la religion imposée. Ça va aider un petit peu, ça va aller un peu plus vite. Et puis, du coup, Württemberg, c'est toi, Württemberg. Tu nous adores. Et ça, ça tombe bien, ça. Ça tombe bien, ça. Comme quoi, on y arrive, hein. Gentiment, on va allier à peu près tous les électeurs. Ça va très très grave, c'est pas un souci dramatique, hein, toujours il restera Palatina, Nassau et Memmingen à aller chercher, éventuellement la Pologne, mais bon, je dirais de toute façon, dès le moment où on déclare la guerre contre un de ces mecs, l'empereur va venir, donc si c'est l'empereur, si la Pologne c'est l'empereur, bah c'est la Pologne qui viendra, hein, ma foi, tant pis, c'est un peu embêtant, mais c'est pas non plus de l'ordre du drame. Pour le moment, concentrons-nous sur Cusco. Je vais te bouffer le fion, quoi, j'entends, soyons honnêtes, donc peu importe. Non, on va pas faire venir nos électeurs, je pense que ça c'est clair. Je sais pas, ça c'est quoi, à Banquet, c'est ça, ben, pour le moment tu vas là déjà, à Banquet, ben, tu vas ici. Et puis du coup on n'a pas de... je pensais qu'il y avait lui, hein, qui est allié, je crois, hein, qui était allié, mais ils le sont plus. Alors, on a récupéré du pognon, presse imprimée là-bas, en Autriche, Cassius Belli, d'accord. Toi, on va laisser du coup 7 gus. Ça devrait juste suffire en fait, en plus. Non ? Non, bah c'est la capitale. Ok, donc tu me ramènes 3 autres gus qui sont pas des canons, eux. L'Autriche est de nouveau une grande puissance, mais c'est bien. Je vous avoue que c'est pas non plus primordial comme information, mais d'accord. On parlait d'éventuellement attaquer l'Autriche sur un truc extrêmement compliqué. On va pas aller dans cette zone-là. Pour le moment, on continue à améliorer les relations avec Württemberg. Et ça nous donnera plus d'options dans tous les cas. Une carrière dans l'armée, gain de 15 traditions terrestres. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. On en est où sur la tradition terrestre? On en a 68, ouais, 15, ça va faire du bien. La Grande-Bretagne a déclaré la guerre à la France. C'est bien, ça, hein, parce que je vous rappelle qu'on devrait normalement avoir un CB sur...
sur la Grande-Bretagne pronto, quoi. Donc c'est bien. On pourrait faire un général qui serait probablement Imba à 8 ans. Il faudra qu'on en discute. Mais pour le moment, je pense que ça peut être plus intéressant pour nous d'essayer de finir ces doctrines de qualité. On verra ça. Les Aztèques, Colima, ceux-là. Là. Ok, des rebelles brabançons à Rante. donc on est à côté de Rante, justement. Donc ça tombe bien. Ouais, alors... hein, parce que lui, là, non. Ça va bien, il n'a pas servi à grand chose, en plus on s'est quand même fait défoncer. Donc par contre on va faire un petit général des familles, Enrique Ponce de León. Ok. Bah 4-4 quand même, c'est pas dégueu. Très bien. Voilà. Alors, succès de la conversion, bah, c'est parfait, on va convertir. Autre chose, tu nous inclus les dépendances s'il te plaît. Voilà, Montpellier, c'est très très bien. Et toi tu continues avec l'exploration de la mer de Chine orientale. Ça nous fait du prestige à chaque fois, hein, je vous rappelle, de la tradition navale. Donc c'est pas simplement utile juste pour découvrir, c'est aussi utile d'un point de vue des chiffres. Ils ont 5 troupes ou c'est moi qui rêve? Ils ont 5 troupes, 4 même. Ils ont vendu une troupe, ils se sont dit ouais, je pense que c'est le moment là. Là, on va vendre une troupe. On va vendre une deuxième troupe parce que financièrement, ça tient pas à notre histoire. Donc, par contre, tout le reste, à part l'économie, tout le reste, ça va bien. Je pense que la défense est parfaite. Ok. Là, on continue. On produit une manufacture de plus. Parfait. Ok. Allez-y. Attends, tu nous finis de prendre ça. La province s'est convertie à la foi réformée. Je suis pas fan de l'idée, personnellement. Étonnamment. Mais c'est pas grave. On occupe ça là, d'accord. On a. What? Pourquoi? Non. Ah! Notre rival est allié à la plus grande puissance mondiale. Je vais donc me désallier de la plus grande puissance mondiale. Ah, c'est idiot ça. Réfléchis. Voyage royal. Oh. Merci. Réfléchis 2 secondes. Mon Dieu, ce que c'est bête. Du coup, des technologies, c'est bien ça. Alors, attaque ici, ok, on va s'en occuper pronto. Pardon, je suis allé au mauvais endroit en Amérique du Sud. Et ben, 78%, on attend là-dessus toujours. Très bien. Voilà. On est amélioré au max ici, du coup on va améliorer avec cela-là parce qu'on a failli les perdre. Voilà, toi tu retournes au bord de la mer, sait-on jamais. Vous avez terminé, mais c'est bien ça, on va aller comme ça pour le moment, toi tu vas aller là. Ok. Mais oui. Très bien, indigène incommodant en Androscoggin. Du coup, à part ça, j'ai pas réfléchi, mais en gros. On contrôle... Bah, Württemberg, non, pas encore, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas allié Württemberg. On est à moins 1. Ok, bon, on leur donnera du pognon ou je ne sais quoi. Peu importe, t'es quoi, t'es défenseur ou attaquant? T'es attaquant. Ok, il y a une guerre dans cette histoire. Kenes, c'est toi? Il me semble qu'il y a... Ah, il y a... Non, il n'y a pas d'autres électeurs dans cette histoire. Donc, bon, ça va, pas de soucis. Mais a priori, si on est allié à Württemberg et qu'on déclare la guerre contre Utrecht, on fait venir Memmingen. Donc on est allié, je rappelle, hein, on est allié à... Surtout ces membres du Saint-Empire. On est allié à lui, on sera allié à lui. On fait venir Memmingen. L'empereur, on est d'accord, Memmingen est allié à Palatinat et Nassau. J'attaque cela, Palatinat et Nassau viennent. Donc A priori, mon attaque d'Utrecht, elle devrait fonctionner.
Si, il faut juste se rappeler, j'ai peur de ça, hein. Je vous jure que j'ai peur de ça. Faudra se rappeler de bien allier Württemberg avant, en fait. Et pas d'un coup dire, ah, en fait, zut, on s'aime bien, mais on n'est pas alliés. Mais bon, déjà, pour le moment, Cusco, ça sera fait. Dépendance loyale, réputation diplomatique plus 1. Alors ça, dans la série, ça tombe bien, ça tombe bien. Voilà, toi. Ok. Quatre de siège. C'est bien, quatre de siège. C'est bien, quatre de siège. C'est même, pour moi, c'est même presque plus intéressant que l'autre, en fait. Honnêtement. Parce que, ben, pour les batailles, on a Cortés, déjà. Donc, bon, je sais pas à combien de temps il va durer, c'est le seul problème, mais... Ok. Succès de la conversion, très bien. Maintenant, on va influencer les autres, là. Issen Kaïfa. Faites-vous plaisir. Manufacture, manufacture, let's go. Conversion, très bien, on continue. Ok, très bien, on va aller dans cette direction-là, nous. Bon, y a eux déjà. Un nouvel établissement, gain de 1 serveur fiscal brut. Les Ottomans influencent des gens, ils y vont, ils sont comme ça, c'est ce qu'ils font. On peut devenir les chefs de la foi. Je me dis encore une fois que ça pourrait peut-être être utile. Hein. Toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller ici. Ils ont encore des gens ou pas? Non, ils n'ont plus rien, les pauvres. Ok, bah, on va tout occuper. Succès de la conversion. Ok, très bien. On continue à conversionner. Ok, ensuite, du coup, bon, mangeons quand même. Occupons tout, ça sera moins cher. Et puis, alors, venons, toi tu vas venir là en fait, parce que je vais pas rester avec mes 40 troupes, hein, ça c'est clair. Donc, toi tu vas venir là, puis tu vas devoir, enfin, viens ici pour le moment, puis là. On sait que ça c'est à nous, il n'y a pas de souci. Un prédicateur influent gagne 10 d'influence sur le pape ou 5 de prestige. Je dirais que l'un est presque aussi inutile que l'autre, mais bon. Voilà, on a déjà 94 ici. Oui, recouvrement des réserves militaires. Bon, bref. Vous autres, vous revenez là, please. Merci. Voilà. 100%. D'accord, du coup. Alors, je veux ça là, puis ça là, ici. La côte. Ok, alors ça plutôt. D'accord, 130 d'expansion agressive. Est-ce que ça pose problème avec les Européens? Pas du tout. Très bien. Ok. 82 de surexpansion. Ça va faire mal au sac quand même. Ça a aussi pas aidé sur la réputation, tout ça. Mais ça va pas trop durer parce qu'après on va évidemment légitimer deux, puis après c'est le problème de notre nation coloniale, on est d'accord. Ah, puis donne-moi de l'argent pendant qu'on y est, on s'en fout quoi. Voilà. Oui, effectivement. Alors, les deux moins chers à légitimer. Voilà. Ok. Et tout est lancé, hein, on est d'accord? Voilà, très bien. Ok, bon. Parfait, parfait, parfait. Alors, on a un mariage royal de Toulouse. Non, j'ai vraiment pas beaucoup de légitimité, on va faire gaffe à ça. Ok, maintenant, Württemberg. T'acceptes. Ah, ça va nous coûter des points. Mais ok. D'accord. Palatinat, Nassau, Memmingen. Memmingen. Le problème, c'est que le Palatinat est en guerre. C'est embêtant, ça. C'est embêtant. J'ai envie de le faire vite parce qu'il est vieux, le mec.
Il est vieux, le mec. Bah, il a 61 ans, c'est pas vieux maintenant, mais c'était vieux à l'époque. Bon, déjà... Juste un truc. Juste un petit truc. On est d'accord. Toi, t'es quoi? Ok. Toi, t'as attaqué Francfort. Francfort. T'es protestant. Ok. A priori, c'est qui mes co-religionnaires dans l'histoire? Les Autrichiens. Puis on a fait le tour en fait. Non, c'est pas vrai. Il y a encore les Scandinaves. Les Danois sont catholiques. À voir. Les Suédois aussi. Quelques provinces là. Il y a. Bah nous en fait. Mais c'est tout. Donc je pense que ça peut valoir la peine effectivement de devenir le gars là. Et on devrait pas se faire attaquer. On a un gars de plus en plus. Ça c'est bien. Mais si il dit qu'il peut faire quelque chose, c'est qu'on doit pouvoir. Ah ouais, mais bien sûr. Ouais. Mm-hmm. Combien de mois ça prend de s'occuper de ça? Juillet 1587, c'est 3 ans. 3 ans, c'est 36 mois. Donc j'ai le temps. Hein. J'ai le temps de faire même celui-là. Hein, même Cusco, j'ai le temps de le faire en théorie. 20 par mois. J'allais dire tankable, mais absolument pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup moins en commerce, lié peut-être au fait qu'on a plus bonus là. Dans tous les cas, on va pas, du coup, on va pas prendre ça. Non, non, on va aller pour moins cher, on s'en fout. Non, prenons quand même un des 60%, 4,36, on peut le faire. C'est pas un souci. Sans l'argent, on en a, hein, c'est pas un drame non plus. Ok, ensuite, vous, bah, vous revenez gentiment, parce que du coup, ça sera quand même une guerre, ça devrait quand même être une guerre assez fat. Et je vois qu'on arrive à la fin de l'épisode, et je vous avoue que c'est la fin de la session et que ça m'embête un petit peu, parce que le plan, il est compliqué. Donc, j'aimerais bien être sûr que le Palatinat et Nassau viennent. Et je suis pas sûr du... What? Tiens, de Novogrodrodrodro, c'est quoi ça? Lituanie, t'as attaqué qui? La Moscovie. Wow, la Moscovie. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe, la Moscovie? Tu te fais défoncer par Kazan, voilà ce qui se passe. Ah, fun. Ok, mais du coup, je suis pas absolument certain que si j'attaque... Théoriquement, oui, quand même. On fait pas venir nos alliés, mais on s'en fout. Bon, ça fait venir aussi, je regarde juste quand même, parce qu'on sait jamais, hein, mais Armagnac, bon. Mantoue, oh, ok. Et là, ouais, d'accord. Let's go. Pour le moment, il n'y a personne. Pour le moment, il n'y a personne. Période à guerre, tu vas venir... Ah, je peux pas passer. Ok, bon, c'est pas grave. Pour le moment, il n'y a personne. Bon, on va voir ça. Palatina est venu. Nassau est venu. Non, Nassau est pas venu. Oh, come on. C'est Aix-la-Chapelle que je regardais. Please. Il faut venir, Nassau. Allez. Oh, come on. Yes! Yes, yes, yes. Memmingen, Nassau, Palatina. Ok. Palatina, Nassau et Memmingen. Ok. Bon. On y est.
il n'y a pas grand chose à faire. Je pense que je me rappellerai de ça au début de la prochaine session. J'ai pas regardé d'ailleurs, on en est où de ce côté-là. Ouais, et puis en plus, c'est une guerre simple, vraiment facile, facile. Hein. Il n'y a pas du tout de problème. Ok. Juste contrôler qu'eux sont en train de revenir. Parce que des fois, le Black Flag, ça bug un petit peu. C'est bon, pas de problème. Ok. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. La prochaine fois, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va finir cette guerre. Et du coup... toujours pas passer si on peut passer. Et du coup, on va démanteler l'Empire. Ce qui sera non seulement une mission, mais ce qui va nous permettre aussi de générer beaucoup moins d'expansion agressive et d'avoir beaucoup moins de problèmes pour bouffer ce qu'on veut bouffer ici. Donc ce sera doublement intéressant. Ce qui peut se passer de vraiment méga relou. Mais... comment ça se passe s'il galanche maintenant, le gars? Genre, Linard, là, s'il meurt, il se passe quoi? Ce qui se passe actuellement, c'est que... la Pologne, toujours, est élue. Ok, bon, pas de problème avec ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont appelés directement dans la guerre, en tant qu'empereur. C'est-à-dire qu'ils se rajoutent à la guerre. Et si c'est le cas, bon, Memmingen, non, je crois pas qu'on peut sortir d'une guerre comme ça, random. Mais par contre, donc Memmingen resterait. Mais par contre, la Pologne serait amenée dedans. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'attaque quelqu'un d'autre dans l'Empire? Ce qui peut poser des problèmes, parce que est-ce que j'ai quelqu'un d'autre dans l'Empire à attaquer? Je peux. La Frise. Ok, on va prendre les devants. Ah non, j'ai une trêve avec la Frise aussi, parce qu'ils étaient en... bon, 2 ans de trêve, ça va. C'est pas la mort. Au pire des cas, je peux temporiser 2 ans. Mais bon, l'idée, ce sera de le faire vite. Mais évidemment, on regardera tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.